Du coup, on va enchaîner avec la septième. C'est Polar Night. Kukia. Kukia. Bah, les autres. Oh. Avec la batterie. Oh. En live, ça doit être bien, ça, c'est. Ok, faut que je lise les paroles. Comme des chiens. Damn. Ah, y a pas tout qui est noir ou blanc. Hein. Ça. Cette chanson, elle va faire parler. Elle fait peut-être déjà parler. J'ai pas voulu me faire spoiler, mais j'ai pas trop été sur Twitter et tout. Waouh. Celle-ci, va falloir que je relise les paroles plusieurs fois. Damn. Franchement, on va enchaîner, oh là là, avec l'interlude. Il n'y a pas de parole, de toute façon, c'est done. Ça me donnait des frissons. Donc c'est entre cette chanson et c'est quoi celle d'après? Snooze. Il reste que deux chansons après ça. J'aime trop. J'aime bien, moi, des fois, j'écoute que des instrumentales ou des chansons épiques, là, vous savez. Oh, yes! Avec la guitare. Franchement, magnifique.
Magnifique. Cet album, il est magnifique. Comme tous ses albums. C'est mixtape, mais bon, là, c'est un album. Alors, on va enchaîner, du coup, Snooze, avec un autre featuring. C'est avec Yuichi Sakamoto, paix à son âme. Et Wholesome, de The Rose, j'allais dire Of The Rose. Que bah du coup je connais bien, hein. Je l'ai vu, j'ai eu la chance de le voir en live plusieurs fois. Alors je vous avoue, je connaissais de nom Ryuichi Sakamoto, mais je connais pas vraiment son travail. Enfin, je sais qu'il a fait des musiques de films, beaucoup. T'es dans un groupe ou un truc comme ça. Et il a été acteur, vite fait. Mais je sais qu'on le voit dans le documentaire, je l'ai pas encore regardé, mais je vais le regarder cet après-midi sûrement. Donc hâte de voir ça. Et je sais pas ce que ça va donner du coup tous les trois. Je sais que j'adore la voix de Wholesome, franchement, ça va. C'est une perle, donc bah let's go, hein. Snooze. Ok. Ok. J'arrive pas, moi, ça. Ne pas rêver. Ah oui, on sait. On pourra jamais le savoir de son point de vue, mais le comprendre. Oh. Il se parle à lui-même. Oh. Ça va, my God. C'est réconfortant ces lignes-là. Ça peut arriver à n'importe qui. Tout le monde peut tomber. Ah. Je sais même pas comment ils en sont venus à collaborer, mais yes. Elle essaie de se convaincre, ou la personne essaie de se convaincre. Comme si en répétant la chose, ça allait devenir vrai. Dream! Dream! Ah, c'est dans quelle chanson? C'est les mêmes paroles, c'est le même. J'ai un bug, j'aime trop cette chanson en plus. Ah, je sais plus. C'est dans une de ses mixtapes. Je
So Far Away? Non, je sais plus. So Far Away. Ouais, je crois que c'est dans celle-ci. Avec Swan. Dream. Wow. Et ça me fait penser à dans On aussi. No More Dream, Dream. Mais ouais, c'est les paroles. C'est dans So Far Away, je crois. Excusez-moi, mais il faut que je vérifie. Elle était magnifique, cette chanson. Du coup, je suppose que bon, Monsieur Sakamoto, il a fait l'instrumental, qui était magnifique d'ailleurs. J'ai entendu, hein. Il y avait un orchestre derrière, enfin... Enfin, je suis pas une pro de la musique, mais j'apprécie la musique. Je veux vérifier, j'adore cette chanson en plus, sauf à... ouais, elle est trop belle. Oui, c'est ça. Je suis contente de m'en être souvenue. On va s'arrêter là. Voilà, j'aime trop là qu'il ait utilisé les paroles et tout. Franchement, la chanson était magnifique. Hein. Cet album, il est... Yugi, c'est un génie en fait. Enfin, on le sait tous, mais c'est un génie de la musique, excusez-moi. Hein. C'est... On ne peut pas dire le contraire. La dernière, mais pas la moindre, puisqu'elle s'appelle Life Goes On. Alors, je sais qu'il avait fait une démo pour Life Goes On de BTS, qui n'avait pas été choisie. Je sais pas si c'est ça. Je suppose. Je sais pas. Il a modifié un peu, peut-être. Et je pense que c'est assez significatif qu'il utilise ça. Enfin, qu'il la mette en dernier. C'est genre la... C'est pour clôturer l'album. Donc, je dis ça comme si je l'avais déjà écouté. Je savais c'était à propos de quoi, mais c'est mes suppositions. Allons-y. Mes émotions, elles font ça. Là. Ouais, c'est ça, c'est sa démo. Ça, c'est dans la chanson. Ah, Not By Hello. Oh, yes. Ah, il s'est tellement amélioré en chant. Ça faisait un moment qu'il disait qu'il voulait chanter vraiment. Le temps il passe tellement vite. Ah bah, tu vas laisser une trace, c'est sûr. Même quand tu seras plus là. Hein. On n'a qu'une vie. Hein. Light
Je pense à tout le nombre de démos qui ont été perdus et tout. Enfin, Yoongi, il réutilise souvent, mais... Je pense à Tae, par exemple. Sympa que ça se finisse sur ça. Mes pieds, ils sont en train de bouger au rythme de la chanson. Nice. Franchement. Mais cet album, c'est une œuvre d'art. J'ai adoré tous ces albums, mais... Je pense que c'est mon préféré. Je vais dire ça à chaque fois qu'il va sortir un album, vous savez. Mais je... Ouais. Parce que Didet, musique de film, trop bien. Egum, ça envoie le clip. Rien à dire. La chanson avec J-Hope, c'est trop bien. Amygdala, ça m'a prise dans les sentiments. Somebody Does Love. Les paroles. Ouais, c'était sympa, c'était plus calme et ça allait bien du coup avec People Partout juste après. Polar Night, les paroles. Il s'est livré dans celle-ci. Hein. J'aimais trop le film, je pense, Polar Night. Ça peut être une de mes préférées. Amygdala. Snooze. En fait, toutes les chansons sont tristes. Pourquoi? Non, mais... Voilà, j'ai aimé tout l'album. Bah, du coup, dites-moi ce que vous avez pensé de cet album. Quelle est votre chanson préférée? C'est tout. Au revoir.